Je suis d'abord très heureux de vous accueillir au nom du Centre d'histoire et de sociologie des gauches et de l'Institut Marcel Lippmann. Cette séance, nous avions projeté de l'organiser il y a déjà bien longtemps. On l'a cependant remis à plusieurs reprises au rythme des différents moments de confinement qui nous interdisaient de le faire. Le hasard, d'une certaine manière, a bien fait les choses, puisque cette séance a lieu maintenant, au moment même. Donc, vous avez été accueillis ici avec des images. Ce sont des images du film d'Hugues Lepage, Le Front du Nord. Au fond, et je peux aussi vous annoncer, parce que c'est important, c'est que ce film, maintenant, est accessible gratuitement sur Internet. Je vous conseille vraiment de le voir, parce que le livre d'Hugues et de Jean Donneux, Le Front du Nord, est le livre fondateur, finalement, du thème qui nous rassemble ici, sur le passeur de valises belge, dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Depuis lors, c'est effectivement Paul-Emmanuel Babin, qui est sûrement le mieux placé pour en parler, parce que c'est lui qui a pris le relais, et qui continue à étudier cette question avec beaucoup de ténacité, de systématisme, de souci du détail, et en même temps en essayant de rendre compte cet ensemble de choses, et il le fait d'une manière très constante et avec beaucoup de force. Nous avons aussi noué des relations amicales, des relations personnelles, parce que finalement, ce que fait depuis quelques années maintenant Paul-Emmanuel, c'est de servir de trait d'union toutes les personnes et leurs descendants qui ont participé à cette aventure. Et c'est lui qui en est devenu non seulement le personnage principal, mais le lion, celui qui fait vivre finalement un ensemble de personnes qui ont plus ou moins tourné autour de ces réseaux. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui. Il travaille à l'Université de Lille, où il termine précisément sa thèse sur les réseaux belges d'aide au FLN. Et je lui demanderai de se présenter rapidement, parce qu'il y a une question que je ne lui ai jamais posée, et pourtant qui m'a turlupiné depuis longtemps, savoir comment se faisait-il qu'il s'intéresse tellement à cette question, qu'il s'y acharne vraiment, qu'il s'attache dans tous les détails, qu'il va dans tous les recoins. Et je ne comprends pas comment il en est arrivé là, et peut-être qu'il m'éclaircira ce soir et qu'il nous éclaircira sur les raisons qui l'ont poussé à entamer et à mener à bien ce travail. Très bien, je te remercie beaucoup Mathéo. Je suis très honoré donc de votre présence. Alors je suis très touché dans ta présentation, tu as évoqué le terme, le mot relais, le trait d'union. Effectivement, je me sens tout à fait dans cette définition-là du relais, que ce soit à travers le travail d'Hugues Lepage, qui avait inscrit 30 ans après les faits, 30 ans après la fin donc, de la guerre d'Algérie, à travers le film Front du Nord et puis le livre Front du Nord avec Jean-Léonce Donneux. Il se trouve que moi-même, j'ai donc repris cette étude, on va dire, eh bien, 30 ans après le travail d'Hugues Lepage, c'est-à-dire 60 ans après les témoins. J'ai travaillé, effectivement, tu t'interrogeais, Mathéo, comment je suis venu à étudier cette question. En réalité, il y a toujours plusieurs explications à une telle question. Alors, je dirais que simplement, peut-être, parfois, le lien familial pourrait expliquer un tel choix d'un sujet. En réalité, il n'en est rien. L'intérêt est au départ purement académique. Et puis, je dois le reconnaître, en travaillant donc pour ma thèse de doctorat sur le collectif belge des avocats du FLN, eh bien, je me suis donc intéressé à ce réseau grâce à l'amitié de Hugues, qui m'a vraiment transmis son travail sur les réseaux de soutien. Et j'ai noué une amitié avec plusieurs membres des réseaux de soutien. Alors, je tiens ici, on diffusera des photos de quelques-unes de ces personnes, de ces amis, puisque, on va dire, c'est la première prise de parole que je fais sans ce regard bienveillant de ces personnes qui étaient très importantes pour moi. Alors, l'intérêt pour l'Algérie est purement, je dirais, au départ académique, et puis il s'est ouvert grâce à cette amitié importante dans ma vie avec les membres du Front du Nord, que ce soit Suzy Rosendorf ou Cécile Drabs et Georges de Belair, disparus récemment.
Alors, je vais donc aborder immédiatement l'exposé. Je tiendrai bien entendu à laisser un temps de parole à la salle, puisqu'il me semble effectivement que l'assistance, certains d'entre vous ont des questions sans doute très précises à me poser par rapport à ma recherche, puisqu'ils connaissent très bien cette période, que ce soit au niveau des étudiants communistes ou autres. Alors, je pense que je partirai d'une image peut-être pour cet exposé, en peut-être le plus bel hommage qui pourrait être rendu à l'efficacité de ces réseaux. On la trouverait paradoxalement eh bien, dans les mémoires du directeur des renseignements généraux de l'époque, de 55 à 61 en France, qui était Jean-Émile Vier. Alors, il évoquait justement la question du décrochage de l'opinion à cause de ces réseaux qu'il avait pour mission de combattre. Et ces réseaux étaient composés, donc, bien sûr, de journalistes, d'avocats, d'enseignants. Et il donnait une image qui me semble assez parlante. Il disait que ces comités étaient finalement numériquement très très peu nombreux et pourtant redoutablement efficaces. Je le cite, il disait « Il s'agissait d'adhérents peu nombreux, mais très actifs, qui, tels des figurants d'opéra, paraissaient à plusieurs reprises pour donner l'impression qu'ils étaient innombrables. » Et finalement, de 55 à 61, Jean-Émile Vier va être réellement confronté à cette difficulté, puisque ces réseaux eh bien, avaient affiché certes une vitrine légale avec des termes assez larges, vous en conviendrez, comme la défense de la paix, mais en réalité, dans ces mêmes comités, avec un intitulé aussi large, eh bien, nous avions le véritable vivier des réseaux de soutien. Alors, il faut-il le rappeler aussi, la répression à l'époque pour les personnes qui étaient dans ces réseaux, c'était 10 ans d'emprisonnement pour l'atteinte à la sûreté de l'État. Matériellement, cela se traduisait surtout par une aide concrète, comme l'impression, le transport de documents, le transport de fonds et de militants, ainsi que l'hébergement clandestin. Revenir 60 ans après peut paraître une gageure pour reconstituer ces réseaux et forcer de constater effectivement que certains réseaux, comme le réseau suisse, n'auront absolument pas été traités. Alors, nous allons voir successivement différents apports de ces réseaux belges. Mais je voudrais donc rendre hommage, avant de commencer, eh bien, à la restitution que j'ai pu faire, la restitution de ce que j'appelle des vérités, des vécus de ces personnes, pour les intégrer ensuite eh bien, dans une vérité historique qui est certainement bien plus froide. Alors, vous avez ici, eh bien, donc à gauche, l'avocat liégeois communiste Jules Raskin, avec lequel j'avais commencé eh bien, à travailler, qui fut l'un des premiers membres du comité pour la paix en Algérie, ainsi que Serge et Henriette Moreau. Serge qui était la principale figure du collectif des avocats belges du FLN. Henriette Moreau était dans les réseaux de soutien. Vous avez ensuite, eh bien, je voudrais rendre hommage à des amis qui me sont très chers, qui m'ont beaucoup apporté dans ma recherche et qui sont malheureusement disparus. Je voudrais rendre hommage en particulier d'abord à Georges Dobeller, membre de la 4e internationale et membre des réseaux de soutien et du comité pour la paix en Algérie, ainsi qu'à mon amie Suzy Rosendor, communiste, membre des réseaux, électron libre d'ailleurs par rapport à ces réseaux, puisqu'elle était directement aux côtés de la direction de la Fédération de France du FLN. Et enfin, l'avocate Cécile Draps, également disparue récemment, et qui fut l'une des avocates ayant le plus de présence à la barre au tribunal militaire de Lille, où elle a sauvé bon nombre de condamnés de la guillotine. Alors, pour comprendre la portée de ce réseau belge, il m'est paru important d'intituler cette conférence « La guerre d'Algérie en Belgique, une résistance aux marges du conflit ». Effectivement, il résistait à il y avait un paradoxe à considérer que finalement nous avons affaire à un conflit franco-algérien et il convenait de s'interroger finalement quel avait pu être l'apport des Belges dans le cadre de ce conflit. Alors je rappellerai peut-être rapidement que la guerre d'Algérie
a commencé à la suite du congrès d'Ornu dans le Borinage en juillet 1954. Et effectivement, dès 1954, le premier Belge qui aide, on va dire, les Algériens, il s'agit d'un militant socialiste qui tenait le cinéma du peuple à Ornu. Il s'agit de Lucien Soudan, qui a été un soutien continu du MNA pendant la guerre d'Algérie. Mais s'alliage, vous avez ici une image d'ailleurs réalisée par ce militant socialiste. Alors, mais s'alliage a toujours pu compter sur une immigration au départ qui lui était acquise en Belgique, et faut-il le rappeler aussi, une méconnaissance totale de la sûreté belge, puisqu'ils avaient envisagé le congrès d'Ornu sous la dimension religieuse. Ils pensaient que c'était une réunion religieuse, sans mesurer l'importance de ce congrès essentiel. Alors vous avez d'autres militants qui ont soutenu le MNA. On en parle peu, effectivement, mais malgré tout, on les retrouve dans les documents, tel un certain Moret à Liège qui transportait 5000 tracts du MNA. Il faut rendre aussi, il faut restituer le travail important des épouses belges, des militants algériens. Elles étaient très nombreuses du côté du MNA, entraînant parfois aussi des difficultés, notamment en termes de victimes de patriarcat ou de discrimination religieuse face auxquelles Messaliadj lui-même devait combattre ces situations. Ses épouses belges correspondaient régulièrement avec Messaliadj. On retrouve dans les archives de Messaliadj des lettres d'une certaine Madame César, par exemple, qui soulève le fait d'être discriminée dans le cadre du MNA. Vous avez encore, au niveau de la sûreté belge, plusieurs mentions de liens qui auraient existé entre le MNA et l'extrême droite en Belgique. On pense en particulier à un certain De Boot, qui était en lien avec l'organisateur du congrès d'Ornu, Douichère. Vous aviez également un certain Rigaud, de tendance poujadiste, à Liège, qui était donc membre du mouvement social belge et qui était donc proche du MNA. Vous aviez surtout donc en Belgique, parce que la Belgique, nous aurons donc des Belges qui vont soutenir le MNA, mais il y aura toujours un certain déficit de soutien, en tout cas parmi les intellectuels, à soutenir le parti de Messaliadj, à une exception près, et nous la voyons ici. Il s'agit du journaliste chrétien de La Cité, un journaliste, donc André Louis, qui avait effectivement été un des seuls à se rendre dans les maquis en Algérie, à essayer d'obtenir une information réellement, authentiquement belge, sans passer par l'information française. Bon, il est allé effectivement dans ces maquis. Vous avez encore le cas d'un professeur à l'école coloniale d'Anvers, qui est un des plus proches de Messaliadj, à tel point qu'il éditera la revue Réalité algérienne. Alors maintenant, j'aimerais aborder donc trois étapes de ce que j'appelle la guerre européenne du FLN, trois phases qui correspondent aussi à trois générations d'engagement, avant d'envisager de façon sous-jacente aussi peut-être l'idée d'une européanisation du discours et de la pensée du FLN ici en Europe. Alors j'ai intitulé donc la première partie « Informer une stratégie européenne du FLN ». Pour des Belges comme Jean Gaudin, futur secrétaire du Comité pour la paix en Algérie, la Belgique devenait devenir, je le cite, « une plateforme, un tremplin de choix pour venir en aide aux Algériens et informer ainsi l'opinion belge ». Le Comité pour la paix en Algérie s'insère en réalité dans une dynamique décidée au plus haut niveau de la révolution algérienne. Le CCE puis le GPRA entendent soutenir ces comités. La plateforme de la Soumane, d'ailleurs, donc texte essentiel du FLN pendant la guerre, précise qu'il fallait encourager et aider la formation de ces comités. Donc je vais poursuivre donc sur cette idée de guerre européenne du FLN en s'appuyant sur l'activité des différents comités qui existaient en Europe pour soutenir l'indépendance de l'Algérie. Alors j'ai repris ici les brochures et les mensuels de ces différents comités qui existaient en République fédérale d'Allemagne, encore au Danemark, en Angleterre ou même en Suisse.
Alors l'idée principale était d'informer l'opinion nationale de chacun de ces pays. Alors dans quelle mesure ces comités étaient finalement la vitrine légale du FLN, la sûreté de l'État, la firme. On peut dire aujourd'hui que dans les archives de la Fédération de France, effectivement, une grande partie de ces brochures était financée par le FLN. Alors en France, les comités pallient surtout l'inaction des grands partis politiques. Parmi ces grands comités, nous avons le comité des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, ou encore le comité universitaire pour une solution aux problèmes algériens, et enfin, bien sûr, le fameux comité Audin avec le jeune historien Pierre Vidal-Naquet. En Belgique, nous avons finalement le comité pour la paix en Algérie. Il s'agit d'un prolongement d'un autre comité qui existe à Paris, le comité pour la paix en Algérie, dirigé et fondé par le journaliste chrétien Robert Barra. La fonction de ces deux comités, que ce soit le comité parisien ou bruxellois, est d'informer. Et des échanges se font d'ailleurs précisément entre ces comités, et cela passe essentiellement par une personnalité bien connue, Jean Van Lierde, qui sert de pont avec les chrétiens des groupes Esprit, du témoignage chrétien. Alors bien sûr, le comité pour la paix en Algérie, en France, publie des revues, des périodiques comme Témoignages et documents, puis Vérité et Liberté, quand le comité pour la paix en Algérie, en Belgique, eh bien, publie des bulletins d'information réguliers, ainsi que certaines brochures, comme nous avons le cas ici, La Belgique devant le problème algérien, livre anonyme, mais qui est en réalité écrit par Serge Moureau. Le comité belge en Belgique est également très proche de la revue Coexistence, la revue Coexistence de Jean Van Lierde et du mouvement Pax Christi. La mobilisation de ce mouvement chrétien est extrêmement importante. En Belgique, bien sûr, le témoignage chrétien belge de Jules Gérard Libois sera l'un des premiers à ouvrir ses pages, à ouvrir ses colonnes à un étudiant algérien. Nous avons également les groupes Esprit, où activent à cette époque-là des personnes comme Georges Dobeller. Ces groupes Esprit avaient d'abord accueilli Francis Janson, avant même la guerre d'Algérie, pour évoquer le colonialisme. Nous avons également d'autres groupes à Bruxelles, comme le groupe Ad Lucem de Paul Vercotren, ou même des monastères, comme celui des Dominicains, qui font partie de ce réseau, de cette filière chrétienne franco-belge. Nous avons encore des prêtres ouvriers, principalement à Liège, qui hébergent généralement les membres du comité fédéral de la direction du FLN. Ce rôle des Belges au moment de l'internationalisation de la question algérienne est loin d'être marginal. En réalité, nous pouvons situer véritablement un tournant dans la guerre. Ce tournant est conseillé par ce que j'appelle une double erreur. La double erreur, c'est d'abord le 8 février 1958, le bombardement du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef, qui provoque réellement l'internationalisation du conflit, et en interdisant, peu de temps après, le 23 mars 1958, pour la première fois, un ouvrage, La question d'Henri Alleg. Il s'agit en France du premier ouvrage qui sera saisi. Cette accumulation est importante puisqu'elle permet finalement l'internationalisation en Europe occidentale, en tout cas de la question algérienne. Et en filigrane, la question pour les membres des réseaux, des futurs membres des réseaux, c'est de savoir comment la France en est venue finalement à bombarder une mission de la Croix-Rouge en Tunisie, c'est-à-dire le village de Sakiet Sidi Youssef, et d'autre part à pratiquer la torture avec la question d'Henri Alleg. Alors l'ouvrage de Jean Van Lierde, la revue de Jean Van Lierde Coexistence, publie en réalité des textes qui sont généralement censurés en France. C'est le cas précisément dans ce numéro, puisqu'il est question du premier congrès de Jeunes Résistances, un mouvement de déserteurs, ou encore d'un document de Jacques Vergès intitulé « Génocide en Algérie ». En mai 1958, encore, le cercle du Librex publie un numéro spécial Algérie,
avec Claude Bourdet qui est un ancien compagnon de la Libération et le premier en France à publier un article, Votre Gestapo algérienne. Cette mobilisation du Librex est en réalité largement préparée par d'autres segments de la jeunesse, tels que les communistes, d'en avant avec Maurice Berbloch, qui reproduisait précisément des articles de Claude Bourdet avant même le numéro du Librex. Dans le milieu des étudiants catholiques de Louvain, nous avons également d'autres prises de position, comme celle de Francis Monheim, de Simon Leys, le futur contempteur du maoïsme, ou encore de Wilfried Martens. Ce dernier, d'ailleurs, provoque littéralement l'ire de la France. Il est accusé de propager les sentiments anti-français en Flandre. Une filière catholique existe réellement entre Lille, Paris et Bruxelles. Lille, elle passe par un prêtre qui est aux côtés donc, du cardinal Liénard, qui s'appelle le Pierre d'Eschmacher. Et cette filière aboutit précisément chez Louis et Irénée Jacquemin, à Uccle, chemin du Krabbegat. Alors il n'est pas anodin de remarquer justement que le tournant que j'évoquais, le fameux tournant du printemps 58, est aussi celui de la création officielle du Comité pour la paix en Algérie, sous l'impulsion de Guy Cudel, de Pierre Legrève, de Jean Van Lierde. Et les premiers secrétaires seront le liégeois Roger Ramakers, puis Jean Semal, disparu l'année dernière, ainsi que Jean Godin. Le comité compte dès sa création 500 membres. La force de ce comité résidait, selon Jean Godin, dans ce qu'il appelait l'éventail d'opinions, d'options philosophiques, morales ou religieuses. Alors cette idée paraît d'ailleurs se confirmer, puisque le premier meeting du 8 novembre 58 à Saint-Josse avec Jean Van Lierde, le socialiste Riflé, et Pierre Legrève réunit 225 membres, quand le 13 juin 59, les seuls trotskistes Legrève et Mandel réunissaient 63 personnes. Le 21 novembre 1959, le député Guy Cudel, c'est la photo que nous avons ici, réunit 175 personnes, et ce comité, un an après sa création, compte 600 membres. Alors c'est intéressant puisque des hommes politiques prennent, au cours de ce meeting, prennent la parole sans ambiguïté en faveur de l'Algérie, alors que les précédents calicots qui étaient portés, nous avons un calicot derrière les orateurs, et les précédents calicots du comité comportaient simplement la mention « Algérie-liberté ». Alors la personnalité qui est à droite est assez intéressante, puisqu'il s'agit d'un sénateur du Parti Socialiste Belge, Marcel Buziot, qui était un ami personnel de Guy Mollet, le véritable artisan de la guerre d'Algérie en France. Vous avez à gauche un autre sénateur, cette fois social-chrétien du CVP, Karel van Kovelaert, journaliste du Het Volk. Alors il s'exprime en flamand et lui soutient l'idée que la position de la France est absolument intenable en Europe dans le cadre d'une construction européenne. À cette date, en 1959, le comité va se dédoubler. Nous aurons à ce moment-là une branche flamande qui sera patronnée par l'avocat Marc de Kock, le fondateur du collectif des avocats belges. Alors les intellectuels du comité dénoncent bien sûr les extraditions déguisées, dont celle de Mohamed Arbaoui. Nous avons ensuite des entrevues qui sont organisées au plus haut sommet, puisque des entrevues secrètes du FLN auront lieu avec Pierre Armel. Et surtout, ce comité, et cela c'est important, va mettre en place une filière de légionnaires déserteurs, dont Pierre Legrève sera spécialement chargé, pendant que Jean Van Lierde, lui, va s'occuper des déserteurs français. Et finalement, rien que pour les déserteurs de la Légion, on estime en tout que 3299 légionnaires, dont 41 Belges, vont ainsi être neutralisés sans tirer un seul coup de feu, ce qui montre finalement l'importance de cette filière principalement mise en place par Pierre Legrève. Alors les autorités françaises ne s'y tromperont pas d'ailleurs, puisque dès 1958, nous avons une première liste noire, d'interdiction de séjour en France. Et ces interdictions de séjour, eh bien, c'est la reprise des 32 membres fondateurs du Comité pour la paix en Algérie.
seule celle de Roger Lallemand, de Jules Rasquin, de Jean Semal, des époux Vaume et de la famille Laperche leur seront signifiées. En outre, Pierre Legrève et Winfried Müller, alias Si Mustapha, que nous voyons ici dans le journal La Gauche, sont spécialement chargés de la filière des déserteurs et ils vont être destinataires d'un colis piégé. En 1960, le troisième colis piégé était destiné au professeur Laperche. Alors, en accédant aujourd'hui au dossier de l'attentat contre Georges Laperche et de l'étudiant Akli Aissiou, on relève un certain nombre de similitudes. Alors, il s'agit de photographies qui sont pour la première fois mises en avant. Elles étaient dans des dossiers jusqu'alors fermés. Alors, il s'agit ici de l'arme du crime qui a tué Akli Aissiou. Il s'agit d'une sarbacane assez sophistiquée avec un système de mise à feu qui était tiré depuis simplement la paume de la main. Alors, on en conviendra facilement, ce type d'arme excluait tout amateurisme. Ces attentats, on aura exactement les mêmes en Suisse contre Marcel Léopold à Genève, fournisseur en armes du FLN, et contre Yaïssi, qui était un des fournisseurs de ce qu'on appelle le MALG, le ministère des Armements et des Liaisons Générales, véritable pourvoyeur en armes pour la révolution algérienne. Lui aussi recevra pour sa part un colis piégé, exactement le même que celui de Georges Laperche. Alors ici, vous avez précisément la photo du livre piégé, photo qui se trouve dans le dossier relatif à l'assassinat de Laperche, avec les clous de tapissier qui ont finalement déchiqueté le visage du professeur. Il va en mourir. Alors, la question de l'assassinat du professeur Laperche a suscité beaucoup d'interrogations à l'époque, puisque Georges Laperche ne semblait pas être le plus actif dans les réseaux belges. Hein? Très bien, merci. Donc, je poursuis donc sur cet attentat contre le professeur Laperche. Il avait hébergé un des étudiants algériens les plus influents. Il se trouve que les étudiants algériens étaient aussi servis de couverture pour les agents du MALG en Europe. Alors, ce qui est très curieux finalement, c'est quand on regarde ces deux dossiers qui étaient jusqu'alors totalement verrouillés et fermés, on remarque au dos de la photo d'Akli Aissiou et dans le dossier du professeur Laperche, nous remarquons le nom du même agent français. Un nom qui est d'ailleurs bien connu, nous allons y revenir. Cet agent a des contacts répétés avec la Sûreté belge. Un rapport d'ailleurs de la Sûreté belge d'octobre 1959 lui aurait été transmis. Et sur la première page de ce rapport, nous avions les militants les plus actifs à Liège, dont la famille Laperche, qui figurait sur la première page de ce rapport, le professeur Laperche, ainsi que le nom de ses deux fils. Alors ce rapport est en réalité la fameuse pièce manquante de la thèse qui était déjà avancée à l'époque par Pierre Legrève dans le journal La Gauche, La Gauche du 14 mai 60. Il s'agit donc d'un tortionnaire français, originaire d'Oran, capitaine de gendarmerie, et donc qui avait des échanges, qui proposait régulièrement à la Sûreté belge d'envoyer des agents à Liège pour infiltrer le mouvement national algérien. Il y a tout lieu de croire, en effet, que ce rapport précisément a été transmis à la Sûreté française. Ce type de rapport de cette transmission est assez courant en réalité. Ils seront d'ailleurs prouvés par Serge Moureau lui-même à l'occasion de l'affaire Nagels, puisque nous avons effectivement des informations sur des mobilisations d'étudiants belges, y compris des manifestations qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, telles que la manifestation en souvenir des prisonniers de Brendonck. Tout est livré aux Français, au sujet notamment de M. Marc Rayet ou de Roger Van Ghen. M. Marc Rayet, effectivement, qui est parmi nous. Alors, je viendrai maintenant sur les besoins organisationnels du FLN. En réalité, les filières vont se mettre en place pour ce travail clandestin et la véritable clé, ce sera d'une part une personnalité en Belgique et d'autre part une organisation internationale bien rodée. La personnalité en question est Roger Ramakers, qui avait noué dès 1952 des contacts avec des étudiants algériens.
l'organisation internationale bien rodée, eh bien, il s'agit effectivement de la 4e internationale à travers Simone Minguet, qui était la seule femme au comité central de la section française, et par l'entremise en Belgique d'Ernest Mandel. Ils vont imprimer en particulier le journal Résistance algérienne, organe du FLN. Les premières filières s'appuient bien évidemment sur Pierre Legrève, ainsi que les jeunes gardes socialistes, dont Georges Dobeler. Alors pour l'armement, j'irai sur ce point assez vite, nous y reviendrons peut-être ensuite dans la discussion. Nous avons plusieurs filières, une filière purement lucrative autour de la firme Melior. Le FLN, de son côté, s'appuie principalement donc, sur une filière que je considère une filière militante sur les syndicalistes de la FGTB, mise en mouvement par un journaliste, Henri Vaume. Alors nous avons d'autres fournitures qui passent par un commerce légal, bien sûr, avec, entre la Belgique et la Tunisie, qui vont provoquer également le courroux de la France, courroux que va essuyer Paul-Henri Spaak. Et nous avons un véritable climat d'hystérie qui va se manifester dans la presse belge, que ce soit dans la dernière heure ou dans le magazine Pourquoi pas. Ces journaux inventent l'existence de véritables maquis qui n'existent pas, de maquis à Bouillon ou des trafics d'armes, un maquis du MNA qui se trouve à Bouillon. En réalité, il s'agit d'une rumeur parce que l'armée belge fait des relevés topographiques et on pense qu'elle combat un maquis du MNA à Bouillon, mais l'affaire remonte à tel point que effectivement la gendarmerie belge va vérifier si effectivement il y a maquis ou non autour de ce lieu. Vous avez effectivement donc ici mis en scène, dessiné des échanges d'armes qui auraient eu lieu près de la frontière à Tournai. Mais c'est surtout à ce moment-là que le SDEG va s'intéresser de plus en plus près à la ville de Liège. Le SDEG, donc, c'est le service de renseignement de l'armée en France. Il s'intéresse à la ville de Liège comme véritable plaque tournante du trafic d'armes en Europe. En 1959, Le Monde reprend d'ailleurs des informations du Soir belge pour démontrer, enfin, ils le tiennent, le fameux complot international communiste, puisqu'on évoque qu'il y a une collusion du Parti communiste belge avec une filière d'armement et d'un camp d'entraînement en RDA. Cette affaire va défrayer la chronique jusqu'en France, puisqu'elle est reprise effectivement par Le Monde, mais elle va surtout, et la conséquence sera importante, elle va tuer dans l'œuf toute affirmation publique d'un soutien du PCB, donc du Parti communiste belge, au FLN. Au même moment, pourtant, l'avocat liégeois Jules Raskin tentait d'imposer ce soutien au FLN, et il aurait même cherché, on le voit dans des prises de parole à Namur en particulier, depuis 1957, en vain et difficilement, à faire passer le FLN pour un mouvement communisant. La direction du PCB tolère néanmoins des activités pro-algériennes de ce qu'on pourrait appeler des organisations communistes de masse, bon, les étudiants communistes, la jeunesse communiste, le groupement Notre Solidarité ou l'Association internationale des juristes démocrates qui s'engage plus avant dans l'aide au FLN. Alors cette effervescence correspond au moins à deux éléments objectifs. Le premier acte de terrorisme en Belgique par le MNA contre le FLN le 1er novembre 1956 et le FLN surtout a l'intention de structurer plus solidement l'immigration algérienne en Belgique. Vous avez ici une archive de la Fédération de France du FLN qui nous permet de connaître précisément les effectifs du FLN en Belgique en janvier 1958. Alors nous avons 683 membres, ce sont les membres qui sont inscrits, 683 membres du FLN pour la région Belgique. Nous avons en tout 326 militants du FLN et il est intéressant de constater que le rapport mentionne aussi le nombre de messalistes, donc les membres du MNA, ils sont 319. Et comparons maintenant avec un autre rapport organique du FLN de juin 1962. Nous avons à ce moment-là donc 975 membres, dont 380 militants pour le FLN et 210 pour le MNA, la population algérienne ayant également augmenté. L'augmentation la plus sensible se trouve dans la première région ici. La première région correspond surtout à Bruxelles-Anvers. On est passé de 54 membres à 329 membres. Alors pour avoir une échelle,
Il faut savoir qu'en République fédérale d'Allemagne, on a à l'époque 200 militants du FLN. La Belgique devient véritablement un lieu stratégique, puisque les cinq membres de la direction du FLN, dont le principal se trouve ici au centre, Omar Boudaoud, se trouvent à tour de rôle en Allemagne, en France, à Bruxelles et à Liège. Alors prenons le cas de Bruxelles, où Ali Haroun réside le plus souvent chez l'opticien Jacques Seffia. Quant à Omar Boudaoud, il loge chez la tante de Micheline Kreter, jeune juriste sortie de l'université de Louvain et issue de la grande bourgeoisie coloniale. En février 1960, au moment du démantèlement du réseau français, le fameux réseau Janson, la Belgique va jouer un rôle de première importance. Pour schématiser un réseau complexe, nous partirons de l'idée d'un triangle, un triangle constitué de Lux Sommerhausen, de Jacques Seffia et de la photographe que vous avez ici, photographe française Dominique Schwab, dite Dominique Darbois au sommet. Alors Dominique Darbois assure les liaisons avec Düsseldorf, où aboutissent finalement toutes les filières. Elle est aussi en lien avec le faussaire du FLN installé à Bruxelles, rue de la Loi. Il s'agit d'Adolfo Kaminski et ainsi que Michel Firk, une jeune critique de la revue de cinéma Positif. Tous trois sont juifs et agissent autant par anticolonialisme que par réaction au judéocide. Alors autour de ce triangle, on retrouve trois groupes. J'ai appelé ça les trois V du réseau. Ces trois groupes sont réunis derrière principalement Henri Vaume, derrière Jean Van Lierde et Jean-Pierre Van Tighem, qui représentaient donc les branches chrétiennes, trotskistes et communistes, même si Jean-Pierre Van Tighem n'était pas lui-même communiste, mais il était très proche des étudiants communistes. Donc vous avez ici cette répartition des réseaux que j'ai pu établir à partir de 144 membres que j'ai pu retrouver au cours de ma recherche. Il faut savoir que l'estimation de la composition totale des réseaux donnait une fourchette entre, au grand maximum, entre 150 et 200 membres. J'ai pu avec certitude identifier le nom de 140 de ces membres. Alors regardons attentivement maintenant les catégories professionnelles de ces membres. On constate bien évidemment une surreprésentation des étudiants. Ce sont des réseaux assez jeunes, puisqu'on a 41 étudiants parmi les membres de ces réseaux. Nous avons également des professions dites intellectuelles, principalement des avocats, des enseignants, des journalistes, et aussi nous avons des ouvriers qui sont assez importants dans ce réseau. Alors il y a une spécialisation dans ce réseau qui me semble intéressante. Alors évidemment, les chrétiens ici sont complètement absents de la filière de l'armement, alors que nous avons finalement une surreprésentation des communistes, que ce soit la 4e ou la 3e internationale. On suppose qu'il s'agit d'un savoir-faire issu de la résistance armée. Maintenant, sur les faux documents, on constate à l'inverse la surreprésentation des chrétiens. Ce savoir-faire s'explique, alors assez particulier effectivement, cette spécialisation des chrétiens dans les faux papiers et les faux documents, peut-être par rapport au certificat de baptême, je ne sais pas. Bon, peu importe, en fait ça s'explique assez simplement par l'action d'un chrétien en particulier. Il s'agit de Jean Van Lierde, qui va véritablement réunir toutes les demandes du FLN pour les faux papiers, qui seront donc établis principalement par Adolfo Kaminski. Alors au niveau des prises de parole, je n'ai pas repris le graphique ici puisqu'elles sont assez équilibrées entre finalement communistes, socialistes ou chrétiens. Il faut savoir que la moindre prise de parole en Belgique sur la situation en Algérie entraîne immédiatement une interdiction de séjour. Donc toujours cette fameuse liste noire qui est mise à jour et qui existe réellement pour l'avoir eu sous les yeux. Vous avez des situations inouïes, par exemple Henri Mordant qui fait son travail de journaliste sur l'Algérie. Eh bien, il est interdit de séjour. Alors, la difficulté qui va se présenter, c'est que la Sûreté française va hésiter à lui signifier, puisqu'il est invité à l'Élysée pour couvrir une conférence de presse du général de Gaulle, et il aurait fallu lui signifier, eh bien, à l'Élysée, son interdiction de séjour. Vous avez encore, donc, les femmes, bien sûr, qui sont... Alors,
je m'en excuse puisque l'affiche ne retransmet pas cela, mais les femmes sont véritablement prépondérantes dans le réseau. En général, elles font partie de tous les transports de militants ou d'enveloppes. Les transports de militants, en général, sont mixtes avec un système de deux voitures et toujours une femme et un homme dans ces voitures. Alors en Belgique, la communiste Suzy Ranzendoor, que nous avons vue tout à l'heure, eh bien, transporte les dirigeants les plus importants de la Fédération de France. Elle se charge des courriers internationaux vers Cologne ou Bad Godesberg, où elle retrouve d'ailleurs de jeunes assistants de l'ULB qui sont parallèlement dans le soutien, parallèlement à elle. Il s'agit notamment de l'océanographe Roland Wallast ou bien de Joseph Katz, assistant en physique, qu'elle retrouve notamment dans les murs de l'ambassade de Tunisie à Bonn. Alors Suzy Ranzendoor se charge des hébergements, de l'entrepôt des armes et des munitions, et elle intègre même la filière médicale. Là, nous allons voir ici un document, encore une fois issu des archives de la Fédération de France du FLN. Il s'agit d'une fiche, comme on en trouve beaucoup dans ces archives. Il s'agit d'une fiche, en réalité, celle de Lucien Paris. Lucien Paris était donc président du Librex et en 1959, et le mari de l'avocate Cécile Draps. Alors ce note de frais qui date en réalité de décembre 61, on peut voir effectivement la première ligne. La première ligne, il s'agit des fameuses valises transportant l'argent, les porteurs de valises. Donc là, c'est uniquement pour le mois de décembre 61. Les voyages qu'il a effectués, donc c'est bien sûr pas des voyages de tourisme, c'est les fameuses liaisons vers l'Allemagne. Les loyers correspondent eh bien, à l'hébergement clandestin. Et vous avez une ligne spéciale intitulée un peu mystérieusement « Tahar ». En réalité, il s'agit du jeune soldat de l'ALN handicapé, Tahar Belkacmi, qui est pris en charge par les réseaux belges et qui est soigné ici en Belgique par le docteur Kenis et le docteur Soumenkov. Donc, et qui est donc à charge donc, du couple Lucien Paris et Cécile Draps. Pour décembre 61, il ira dans d'autres familles du réseau. Alors j'aimerais évoquer maintenant la question de l'européanisation du discours, une question qui me semble très importante. Bon, l'expression peut être maladroite, puisqu'en réalité il s'agit plutôt d'un discours progressiste dont je vais parler, mais il s'agit en réalité de contester l'expression de guerre de religion. De plus en plus, vous avez dans la presse et même parmi mes confrères historiens l'idée que la guerre d'Algérie aurait été finalement une guerre de religion. Alors, à titre liminaire, il faut constater que ça s'accorde difficilement avec la structure du réseau belge. Il convient d'insister sur le profil type du résistant à la guerre d'Algérie en Belgique. Il serait donc ce profil type, on aurait plutôt une femme progressiste, plutôt étudiante, dont l'engagement se définit le plus souvent par rapport à l'expérience du judéocide qui a eu lieu à peine 15-20 ans plus tôt. L'exemple le plus caractéristique, bien entendu, est celui de Suzy Ranzendoor. Elle-même considérait qu'elle ne s'engageait pas, bien sûr, en tant que juive, mais que son bagage familial était fortement marqué par les persécutions du tsarisme, du nazisme et du maccartisme, et elle assimilait finalement le colonialisme comme une forme de répression apparentée. Alors intéressons-nous à cette idée de guerre de religion, puisqu'en réalité il convient de mentionner que cette accusation de guerre de religion a pour arrière-fond l'idée d'un antisémitisme atavique du FLN. Alors en réalité, disons-le tout net, il faut attendre avril 1970 pour avoir une première prise de position clairement antisémite de la part du FLN. Il s'agit d'un article d'Algérie Actualité, qui est un magazine officiel destiné à l'émigration, sous la plume de l'historien Abdelhamid Benachnou. Avant cette date, nous n'avions aucune prise de position antisémite du FLN. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des ouvrages de Roger Vétillard, préfacé par mon confrère Guy Pervilliers, qui insiste sur cette dimension religieuse de la guerre d'Algérie, titre de son premier ouvrage. Deux ans plus tard, il ne s'encombrera pas de nuances puisqu'il va écrire directement « La guerre d'Algérie, une guerre sainte », livre de 2020. On peut évoquer aussi les écrits de Jean Birnbaum
évoquant le silence religieux, silence religieux de la gauche en 2016. S'il nous fallait résumer l'accusation, la gauche aurait fait preuve d'une certaine naïveté en ne comprenant pas des basculements terminologiques tels que celui du journal, de l'organe de presse, qui passe de résistance algérienne, que vous avez ici, à un autre titre dont la connotation serait donc religieuse, El Mujahid. Alors c'est un argument en réalité qui existe déjà à l'époque, puisque au procès de Robert Davzy, prêtre ouvrier de la Mission de France en janvier 62, il est accusé de faire alliance avec le croissant contre la croix latine. En tout cas, c'est la version du commissaire du gouvernement. Amar Ouzgan évoque cette idée d'un djihad, pour sa part, qui serait détaché de toute connotation religieuse, un djihad populaire, dans Le Meilleur Combat en 1962. En réalité, ces accusations sur la dimension religieuse de la guerre d'Algérie, on vient y oublier la principale polémique suscitée à l'époque par la bataille du M. Alors le M, c'est dans le sigle UGMA, Union Générale des Étudiants Musulmans Algériens, au cours duquel il avait été question de garder ou non le M en pleine guerre d'Algérie. Alors la question va être tranchée par Jiri Pelikan, président de l'UIE, peu suspecte de prosélytisme religieux, puisque finalement il va accepter cette idée de thèse de la personnalité algérienne, une personnalité fondée en temps de guerre, sur effectivement une dimension religieuse et sur la dimension arabe. Alors en réalité, cette accusation est apparue surtout avec l'effondrement du socialisme d'État en Algérie, puisque pour la première fois, des personnalités comme Pierre Vidal-Naquet vont mettre la guerre d'Algérie sous ce prisme, en appelant ça la fausse coïncidence. Alors bien sûr, en historien, il va se proposer de s'intéresser à une étude de texte, et il reprend Le peuple algérien et la guerre, donc paru chez Maspero en 61. Il retrouve effectivement une invocation religieuse dans un texte, mais l'ouvrage comprend 757 pages, donc une invocation religieuse sur 757 pages. Et plus près de nous, on pourrait reprendre la publication du recueil des archives de la Fédération de France l'an passé, où on retrouve effectivement de nouveau un document à connotation religieuse, mais il s'agit du seul document avec un cachet, la dimension solennelle, puisqu'il s'agit de faire appel à une nouvelle contribution financière. On utilise l'argument religieux pour appeler à contribution. Ici, vous avez l'extrait auquel Pierre Vidal-Naquet faisait référence. Alors, Vidal-Naquet omet malgré tout de mentionner qu'il s'agissait du FLN dans les campagnes pendant la bataille d'Algérie. Ce détail, me semble-t-il, avait son importance pour comprendre l'importance de la religion pour les combattants. Alors nous avons aussi des mentions, même en Belgique, de répression contre la consommation d'alcool et de tabac. La gendarmerie belge y fait référence. Il y aurait eu des conseils de discipline qui auraient appliqué la loi coranique à l'encontre des personnes qui ne respectaient pas ces obligations religieuses. Bon, sur cette consommation d'alcool, parlons-en, cela me semble intéressant, puisque le jour de l'indépendance de l'Algérie, donc ici vous avez un menu imprimé par la Fédération de France avec le titre gouvernement provisoire algérien, vous constatez à droite qu'une carte des vins est proposée pour célébrer le 5 juillet 62. Alors peut-être en signe d'ouverture pour leurs hôtes, c'est possible. En tout cas, Ben Bella n'en fera pas autant au moment de l'admission de l'Algérie à l'ONU, puisqu'il interdira l'alcool à la délégation. Alors précisons encore, et là ça me semble assez important, finalement il faut attendre le 25 mai 62 pour avoir pour la première fois le programme politique de la Fédération de France du FLN. C'est-à-dire que pendant toute la guerre, il n'y a pas eu d'affirmation d'un programme politique spécifique de la Fédération de France. Il est imprimé donc le 25 mai 62, et page 64, on voit expressément le principe de la séparation du culte et de l'État. Il y a un certain nombre de projets pour l'Algérie indépendante. On est tout à fait loin d'un projet d'une théocratie. On est plutôt sur des idées
généralement progressistes, puisqu'il s'agit de mettre en place la collectivisation, la réforme agraire, l'éducation populaire à destination des femmes. Alors j'aurais aimé aborder également, et c'est un élément qui avait été soulevé d'ailleurs par Hugues Lepage à l'époque, le soutien des juifs belges dans ce réseau. Cet élément me semble très important. En 1961, Marcel Liebman va jouer un rôle essentiel dans le rapprochement judéo-arabe à travers la guerre d'Algérie. Son idée est largement reprise puisqu'elle se trouve dans la revue sartrienne des temps modernes. Alors elle bénéficie en réalité à l'époque de toute l'autorité de la direction de la Fédération de France et du GPRA. Et d'ailleurs, assez singulier, semble-t-il, malgré tout, de constater que l'action de Marcel Liebman évoquée par Ali Haroun se trouve dans le seul livre qu'il n'a pas pu faire éditer en Algérie. Alors l'importance des juifs dans les réseaux de soutien, ou même parmi les avocats, finalement n'est pas spécifique à la Belgique. On oublie d'ailleurs trop facilement qu'en France, parmi le collectif des avocats du FLN, se trouvait le représentant du Congrès juif mondial, Pierre Dreyfus Schmitt. Je pourrais évoquer également des citations relatives aux condamnés à mort qui étaient conscients de cela, de l'importance des avocats juifs dans le collectif. Alors, revenons maintenant à la Belgique et sur les arrestations du réseau Janson qui vont modifier l'état-major de ce réseau. Il sera fait appel à des personnalités qu'on peut considérer comme plus rompues aux règles de la résistance. On fera appel en particulier à des personnes comme Jacques Séfia ou Paul Alter. Très bien. Vous avez également donc l'impact de la présence d'Henri Curiel dans ce réseau de soutien, ainsi que Dominique Darbois, Jacques Séfia ou Luc Sommerhausen, Joseph Katz, assistant à l'ULB, évoquait cela comme argument décisif puisqu'il disait que tous les membres connus de lui étaient juifs et accessoirement des camarades de l'ULB. Alors dans Né juif, Marcel Liebman lui-même évoquait avoir aidé le FLN en tant que juif plutôt à son corps défendant, c'est d'abord par anticolonialisme et ensuite bien sûr il a accepté de jouer ce rôle assez important. On peut se fier aussi également à l'ouvrage d'Abderrazak Abdelkader qui est l'auteur d'une publication copieuse chez Maspero. Abderrazak Abdelkader, considéré aujourd'hui comme ayant un parcours rocambolesque en Algérie, n'en était pas moins proche des réseaux de soutien. Vous avez ici la publication du GPRA où il est fait mention clairement de l'appartenance des juifs à la nation algérienne. Alors, sur cette idée, les juifs belges ont-ils été sensibles à ce discours? Ce n'est pas un hasard si l'appel du FLN aux juifs est imprimé en Belgique en 1959. Il s'agit d'une application du congrès de la Soumam, puisqu'il était rappelé dans ce document très important que le conflit arabo-israélien n'avait pas eu en Algérie de répercussions graves, ce qui aurait comblé les vœux des ennemis du peuple algérien. Nathan Weinstock, représentant socialiste à l'époque, des étudiants socialistes, était conscient de cette idée puisqu'il diffusait lui-même cette brochure. Quant à Jean Gaulle, il affirmait avoir eu connaissance de cet appel. La première participation de Jean Gaulle à une activité politique est d'ailleurs le cortège funèbre de Georges Laperche. Alors on peut penser encore une fois que ce discours est devenu inaudible dans l'Algérie d'aujourd'hui, puisque le journal El Moudjahid du 5 février 60 qu'il reproduisait, en fait, se trouvait dans le manuscrit Le Second Front d'Ali Haroun, mais j'ai constaté qu'il avait été retiré à la publication l'année dernière. Alors à titre liminaire, j'ai évoqué, j'irai assez vite, donc les trois générations de l'engagement algérien en Belgique, avec une première strate en 1956, ce que j'appelle l'engagement groupusculaire, principalement de la 4e internationale, puis ensuite est venu en 1958 le comité pour la paix en Algérie, unissant trotskistes, communistes et chrétiens, avec une affirmation d'un anticolonialisme belge spécifique à la question algérienne. Et puis la dernière strate, c'est celle de 1960, avec la montée du fascisme en France. Alors, la fébrilité du pouvoir gaulliste à tirer les conséquences de l'autodétermination amène l'acmé de la répression coloniale, puisque vous avez effectivement beaucoup d'exécutions de prisonniers dans les prisons françaises, ainsi que les opérations homo. Et enfin, la dernière
génération d'engagés se situe précisément après, en Belgique, après les affaires ICU et La Perche. Alors, cette génération est aussi celle de l'impuissance, avec effectivement la fameuse photo de l'assassinat de Lumumba, et qui finalement met dans l'expectative la plus grande partie du monde anticolonialiste belge, qui ne peut absolument rien faire, voyant cette personne incarnant l'anticolonialisme, Patrice Lumumba, à l'arrière de ce camion. Alors, c'est à ce moment-là que les étudiants communistes, ou même la commission coloniale du PCB, va soutenir, en tout cas certains de ses membres, les évasions de Bachir Boumaza et même la tentative d'évasion de Mohamed Boudiaf. Pour Boumaza, vous avez Maurice Berbloc qui est derrière l'hébergement de Boumaza ici à Bruxelles. Alors, Jacqueline Agels, à peine être sortie de prison, va créer le comité universitaire anticolonialiste qu'on voit ici à droite. Il est en lien avec les avocats belges. Il organise des conférences telles que celle du 1er novembre 61 avec Jacques Vergès, qu'on voit ici, au milieu. Alors, cette conférence, dans cette conférence... Ah, pardon. Jacques Vergès est ici, c'est Jacqueline Agels, là Jacques Lossmann, représentant des étudiants communistes, et bien sûr l'orateur Pierre Legrève. Alors, Jacques Lossmann, ainsi que... aux côtés de Guy Cudel, vont organiser la fameuse réunion publique de Jean-Paul Sartre, le philosophe français, va réunir 7000 personnes en Belgique. Alors il faut recontextualiser sa venue en Belgique, puisque l'extrême droite en France se réunit devant l'Arc de Triomphe au cri de « fusiller Sartre ». Et juste avant la conférence de Jean-Paul Sartre, son domicile parisien est plastiqué, donc à peine un mois avant. Il avait déjà été plastiqué à deux reprises en 1961. Alors j'aimerais simplement conclure sur cette idée de convergence imparfaite qui a existé entre les communistes et le FLN. Effectivement, l'aide de Jacques Nagels, l'aide visible de Jacques Nagels, vient mettre un terme à cette convergence imparfaite. Mais je voudrais tout de même rappeler effectivement que le 17 janvier 61, Maurice Berbloc, qui est donc dans les réseaux de soutien belge, le 17 janvier, donc il est exclu du PCB pour aide et indiscipline dans l'aide au FLN. Et vous avez donc... le 19 janvier, quelques jours plus tard, au niveau international, Khrouchtchev déclarait précisément « La guerre d'Algérie est une guerre juste, une guerre sacrée que tous les communistes doivent soutenir sans réserve. » Alors, il est difficile de conclure sur cet apport capital des réseaux. En Belgique comme en France, la gauche respectueuse ou la gauche à la remorque, celle des partis, pour reprendre l'expression de Marcel Péju, est incapable de coordonner l'appui des opposants à la guerre. Même des intellectuels comme le grand mathématicien Laurent Schwartz ou Pierre Vidal-Naquet vont jamais intégrer les réseaux de soutien. Aucune structure en France n'a accepté de prendre le risque de soutenir les Algériens, c'est de prendre le risque de dissolution, d'être jeté en prison. Et on retient souvent, bien évidemment, le cas du PCF qui va soutenir à la guerre d'Algérie. Il va soutenir en tout cas les militants indépendantistes algériens seulement réellement publiquement après Charonne, après février 62. C'est oublier aussi que toutes les institutions en réalité hésitent à soutenir, que ce soit la mission de France ou même le PSU. Ils ont fait preuve d'une implacable sévérité envers leurs militants. Je reprends souvent l'exemple d'un avocat du collectif français, membre du PSU, menacé d'exclusion pour avoir aidé à préparer une évasion. En fait, il ne fallait jamais... engager l'organisation dans des actes illégaux. L'appel du 121 opère une nouvelle fracture, puisque Jean-Marie Domenac, rédacteur du journal Esprit, ou Claude Bourdet de France Observateur, refusent de signer cet appel des 121. Alors, sur le plan moral, les Français semblent avoir tenu compte d'un complexe, qu'on pourrait considérer comme un complexe de trahison. On se rappelle à cet égard du discours de Maurice Duverger sur la double trahison dans le monde. Curieux discours, puisqu'il met sur le même plan les tortionnaires et les résistants à la guerre d'Algérie. Alors, trahison, d'ailleurs, dont on affirme pernicieusement dans Paris Presse en février 60, qu'elle a un genre, celui de la femme européenne, femme face au mal oriental. Alors, en nous plaçant maintenant, comme je l'ai fait aujourd'hui, sur les marges du conflit, on peut s'interroger sur ce qu'il reste de ce discours sur la figure du traître. Une trahison qui n'était évidemment pas présente en Belgique, à moins de considérer que les Belges auraient trahi l'Occident,
La défense de l'Occident, précisément thématique fait chère au fascisme, puis au discours de la guerre froide, tel était sans doute le camp des opposants à la guerre d'Algérie. Je vous remercie pour votre aimable attention.